Hello ndugu mtazamaji wa Perpro TV, hujambo na karibu sana kuendelea kufuatilia makala yetu ya leo, nikiwa mimi ni mtangazaji wako DC Mutuko. Lakini pia usikose ku like, ku comment na kusubscribe pia channel. Karibuni. Muungano wa mashirika ya kiraia ECHA jimboni Kivu ya Kaskazini wametangaza upya mrejesho wa maandamano ya kupinga MONUSCO. Hayo na mengine zaidi, wasikilizeni wenyewe wakijieleza. Hapa wandugu wapenzi wa Kongole wote, tumekuja hapa kama vile sinerji ya mamuvuma zote, mamuvuma sitwae za Nord Kivu. Tunakuya kusema na kwa kuarifu wakongomani wote waweze kufunga milango siku ya ine na siku ya tano, sababu tunataka MONUSCO iweze kuondoka kwa udongo wetu kama vile Beni, Goma, Ruchuru. Tunasema hatuwataki kwa udongo wetu, na tunakatala hiyo integration ya M23 katika government yetu, kama vile MONUSCO ilisema kutaka kutuimpose. Vile wanatuimpose kutuua, na ndio vile wanataka kutuimpose kuintegre wale wa rebelle wenye wamekuwa denose kama vile wa watu wa masakre wenye wanakuwa finance na MONUSCO kwa kutaka kutuimpose wakuye mu government yetu. Ndio maana tunasema watu wote Beni, Ruchuru, Goma wakuje kuingia ndani ya hiyo manifestation yetu, tunaalika ama maandamano ya bye bye MONUSCO, zero MONUSCO o Congo, zero MONUSCO ndani ya inji yetu. Tunaarifu na government yetu hatutaki MONUSCO iingie tena kwa udongo wetu wa Congo. Vile wametoka Butembo, tunataka watoke Beni, watoke na Goma, na vile vile hatutaki negotiation yoyote na MONUSCO ndani ya masinerji ama waaktiviste wote wa mouvement citoyen wa Nord Kivu. Tunakatala na tunaipiga marufuko sana. Tunawashukuru. Appel à la mobilisation populaire pour la reprise des manifestations anti-MONUSCO. Jeudi 25 et vendredi 26 août 2022, journée ville morte à Goma. Bye bye MONUSCO. Chers partenaires, nous tenons à remercier toute la population qui se mobilise pour la vigilance, en fait, d'empêcher la circulation de la MONUSCO et les agences du système des Nations Unies à l'est de la RDC. La MONUSCO a quitté Butembo par la pression populaire. Curieusement, ils sont en train de venir se concentrer à Goma et Nyiragongo comme si c'était chez eux, où ils doivent décider d'aller se réinstaller dans les villes et territoires de leur choix. Nous disons non aux délocalisations, mais au départ non négocié de la MONUSCO et agence des systèmes des Nations Unies. Ainsi, il est demandé à toute la population de se mobiliser jeudi 25 et vendredi 26 août 2022 pour chasser la MONUSCO, où qu'elle soit, à Goma, Nyiragongo et partout où les Congolais savent qu'il y a la présence de ces casques bleus qui trafiquent des armes, munitions et effets de guerre en faveur des groupes armés pour justifier leur présence et piller la RDC. À l'occasion, nous serons en train de dire non aux négociations et intégrations des rebelles du M23 au sein des FRDC, telles que recommandées par les experts de l'ONU au gouvernement congolais. Mais aussi, pour envisager une paix durable en RDC, que l'ONU puisse exiger aussi l'intégration et l'amnistie des FDLR au gouvernement de Kigali. Compte tenu des propos du président Tshisekedi, instruisant officiellement vendredi passé aux FARDC et policiers d'assurer la sécurité des agents et engins de la MONUSCO, en laissant notre population de Beni et de Rutshuru être massacrés par les ADF et M23, nous rappelons aux dirigeants congolais que le peuple congolais n'est pas en guerre contre le régime actuel, mais contre l'oppresseur numéro un qui est la MONUSCO. C'est de la bonne guerre que mène le peuple congolais pour se libérer, car ayant compris qu'on ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère. Le vent de la liberté a soufflé et qu'il est du devoir du peuple congolais de se débarrasser
de ceux qui sont à l'origine de leur malheur. 22 ans après, le peuple congolais prend conscience et veut se débarrasser de l'ennemi qui assiste impuissamment au massacre des Congolais à l'Est et se dit être au Congo pour sécuriser les Congolais. Leur hypocrisie étant déjà dévoilée, il est donc du devoir du souverain primaire que nous sommes de